Diascopo, miroir du football de la diaspora somalienne. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 23 octobre 2024. Une livraison qui nous emmène tout droit dans la tanière pour parler une fois de plus ce chiffre, parce que les chiffres ne mentent pas. Souresana et Lokomoko Tokosalango, confiance à part Dieu, les abats chiffres, les statistiques ne mentent pas. Et aujourd'hui, nous vous proposons les statistiques des joueurs congolais, des léopards qui ont le plus de temps de jeu cette saison. Nous débutons par le numéro 1 qui a le plus de temps de jeu jusqu'en. Nous présentons le top 20 et cela grâce bien évidemment à notre confrère des léopards Infostat Mokondi. Il y a des statistiques qui nous aident à chaque fois avec des mises à jour justement des statistiques concernant des joueurs congolais. Comme nous sommes Diascofoot, nous ne parlerons que des statistiques des joueurs congolais évoluant dans la diaspora congolaise, qu'ils soient binationaux ou non nés à Kinshasa mais qui évoluent dans la diaspora congolaise. Et bien ce joueur est concerné par Diascofoot. Voici le classement des léopards qui évoluent à l'étranger et qui ont le plus de minutes, plus de temps de jeu cette saison. Ce classement est dominé, un peu comme la saison dernière où Noah Sadiki se battait avec Timothy Fayulu, je crois. Cette année, c'est Noah Sadiki qui domine ce classement, le cadet national Ferré. Il y a Wenge Musika 4x4 tout terrain. Moi, la souka, il y a Wenge Musika 4x4. Noah Sadiki, c'est le cadet actuellement. Le cadet national Yende Akangi Makambu. Et Noah Sadiki évolue en Jupiler League, championnat belge de première division, dans le club de l'Union Saint-Gilloise. Il a comme temps de jeu 1310 minutes sur les 1450 minutes possibles. Noah Sadiki a participé cette saison à 15 tous les 15 matchs de son équipe, avec tout de même une passe décisive délivrée. Arthur Masuaku, curieux, Arthur Masuaku qui se blesse souvent, mais il vient en deuxième position. Arthur Masuaku, le latéral gauche de Besiktas et des Léopards, a comme temps de jeu 1093 minutes sur les 1263 minutes possibles. Masuaku a participé à 12 des 13 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit et 3 passes décisives délivrées. En troisième position, nous avons l'autre latéral gauche des Léopards, décidément. La défense congolaise dans son compartiment gauche est vraiment vernie avec deux joueurs qui sont très très en forme. Difficile pour Sébastien Desabre de choisir qui doit être titulaire. Joris Kayembe qui évolue tout comme Noah Sadiki qui est en Jupiler League, championnat belge de première division, dans le club de KRC Genk, à 1051 minutes de temps de jeu sur les 1066 minutes possibles. Il a participé à tous les 11 matchs avec son club. En quatrième position, nous avons Peter Kyoso, un autre défenseur, lui, latéral droit du club d'Oxford en deuxième division anglaise Championship. 959 minutes de temps de jeu sur les 1153 minutes possibles. Kyoso a participé à 10 des 12 matchs avec son club, avec tout de même une passe décisive délivrée. Timothy Fayulu en cinquième position, c'est le gardien congolais qui entre dans ses statistiques parce qu'il est très très fort cette saison. Timothy Fayulu, il a 953 minutes de temps de jeu sur les 1171 minutes. Timothy Fayulu a participé à 10 des 12 matchs avec son club, avec à la clé, tenez bien, une passe décisive délivrée.
en 6e position. Nous avons Jordan Botaka d'Apoel Tiberias en Israël. Il a 694 minutes de temps de jeu sur les 968 minutes possibles. Jordan Botaka a participé à tous les 10 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. En 7e position, nous avons le défenseur central des Léopards et de l'AS Saint-Étienne, Dylan Batumbisika, qui compte 692 minutes de temps de jeu sur les 774 minutes possibles. Batumbisika a participé à tous les 8 matchs avec son club. En 8e position, Lionel Passinzaou, évoluant en Ligue 2 française, 2e division dans le club de Rodez. Il a 675 minutes de temps de jeu sur les 867 minutes possibles. Lionel Passinzaou a participé à 7 des 9 matchs avec son club. Brita Sombalonga vient en 9e place avec 610 minutes sur les 867 minutes possibles. Il a participé à 7 de 9 matchs avec son club avec 2 buts inscrits, une passe décisive délivrée. Rémi Moulumba en 10e position, également en 2e division turque, 561 minutes de temps de jeu sur les 886 minutes possibles. Il a participé à 7 de 9 matchs avec son club. 11e position, Axel Twanzebe d'Ipswich en première ligue anglaise, première division. Il a 534 minutes de temps de jeu, 865 minutes possibles. Il a participé à 6 matchs sur les 9 de son club. À lui, nous souhaitons prompt rétablissement. En 12e position, Isaac Chibangu, qui évolue dans le club de Banias en première division Emirati aux Émirats Arabes Unis. Donc, il a 508 minutes de temps de jeu sur les 767 minutes possibles. Il a tout de même participé à tous les 8 matchs avec son club. 13e position, c'est Samuel Bastien, qui était en manque de temps de jeu la saison dernière, mais en Eredivisie, première division hollandaise, dans le club de Fortuna Sittard, il se retrouve bien. 487 minutes de temps de jeu sur les 859 minutes possibles. Il a participé à tous les 9 matchs avec son club, avec tout de même une passe décisive délivrée. En 14e position, Samuel Moutoussami, le double poumon de Sébastien Desabres, l'indéboulonnable de la tanière, qui évolue dans le club de Sivasspor en Super League, première division turque, à 484 minutes de temps de jeu sur les 680 minutes possibles. Moutoussami, depuis qu'il est en Turquie, a participé à tous les 7 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. 15e position, Niskens Kebano avec Al Jazeera, première division émiratie, avec 478 minutes de temps de jeu sur les 777 minutes possibles. Il a participé à 6 des 8 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. En 16e position, nous avons Samuel Essende en Bundesliga dans le club du FC Augsbourg. Il a 461 minutes de temps de jeu sur les 768 minutes possibles. Essende a participé à 6 des 8 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits. Simon Banza, du côté de la Turquie en première division, dans le club de Trabzonspor, 461 minutes, tout comme Essende, et sur les 589 minutes possibles. Simon Banza a participé à 5 des 6 matchs avec son club, avec 3 buts inscrits. Arnaud Lusamba, qui est 17e, évolue dans le club de Banias en première division émirati, 420 minutes de temps de jeu sur les 670 minutes possibles. Il a participé à tous les 7 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Fiston Maël Ekala, la 18e, il évolue dans le club de Pyramide FC du championnat égyptien de première division, 378 minutes de temps de jeu sur les 380 minutes possibles. Maël a participé à tous les 4 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits. À la 19e place, le latéral gauche de Maccabi Haïfa en Israël, Vital Ntimba, 351 minutes de temps de jeu sur les 579 minutes possibles. Ntimba a participé à 5 des 6 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. En 20e position, Silas Katompanvupa de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui évolue en Yelen Super League, championnat serbe de première division. Temps de jeu, 309 minutes sur les 654 minutes possibles. Silas a participé à 5 des 7 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Très chers confrères, vous avez suivi la liste des joueurs qui ont le plus de temps de jeu. Une liste dominée, une fois de plus, par Noah Sadiki, qui reste constant depuis la saison dernière, où il était parmi le top 3 hein, des joueurs qui avaient le plus de temps de jeu.
de jeu. Et comme gardien de but, nous avons une fois de plus Timothy Fayulu qui domine aussi en termes de temps de jeu dans son club, comme ça a été le cas la saison dernière. Il évolue en deuxième division en Challenge League, je pense, hein, deuxième division en Suisse. Cette fois-ci, il est en première division. C'est toujours lui, celui qui a le plus de temps de jeu suivi par le gardien de Rodez, Lionel Passintao. Et le troisième gardien qui a le moins de temps de jeu, c'est Dimitri Berthaud. Mais dans la hiérarchie, c'est maintenant inversé. Dimitri Berthaud est le numéro 1. Lionel Passintao, le deuxième toujours. Et Timothy Fayulu, celui qui a le plus de temps de jeu, est troisième. Comment appréciez-vous ces statistiques? Noah Sadiki, indéboulonnable pour dans son club de l'Union Saint-Gilloise, titulaire indiscutable alors que le club a changé d'entraîneur. Je comprends maintenant pourquoi les dirigeants ne voulaient pas le vendre à la fin du mercato du côté de l'Union, parce qu'ils se disent, avec le temps qui nous reste, on ne pourra pas le remplacer dans l'effectif, et ça se voit, il a joué avec les 15 matchs. La saison dernière, il était déjà dans le top 3 en compagnie de Fayulu et de Meshack Elias, et mes souvenirs sont bons. Donc il est constant, toujours il est régulé dans son club, en attendant peut-être de se faire une place dans le 11 de Sébastien Desabre. Fayulu, c'est vrai qu'il est 5e, mais il aurait pu aussi être dans le top 3, je pense, parce que lors les deux matchs qu'il n'a pas joué, c'est les matchs de coupe. Donc il y a souvent eu des tournantes en club, on met souvent le deuxième gardien qui évolue. Pour lui donner aussi du temps de jeu. À une petite réflexion, c'est vrai que ce sont les stats par rapport au club. C'est vrai que Chancel a 0 minutes en club, mais si vous prenez Chancel Mbemba et un joueur comme Nathanael Mbouk, qui a 97 minutes en club. 97 minutes, c'est équivalent peut-être à un match des Léopards. Si vous ajoutez les temps additionnels, c'est pas 97. Donc, en termes de temps de jeu, Chancel Mbemba est largement au-dessus d'un joueur, par exemple, qui Nathanael Mbouk. C'est vrai qu'il n'est pas dans les top 20, mais qui a 97 minutes en temps de jeu. Et Chancel Mbemba, on a au moins 360 minutes de temps de jeu cette saison. Hein, si on compte bien évidemment les minutes jouées dans la tanière, Chancel doit certainement dépasser beaucoup de joueurs qui sont aussi du côté de Deserbi, à l'Olympique de Marseille. Voilà pourquoi nous ne nous inquiétons pas outre mesure, hein, parce qu'on sait que la tanière lui donne quand même ce temps de jeu dont il a besoin. Alors une fois de plus, ces statistiques restent quand même importantes, hein, pour vous permettre de vous souvenir quand Sébastien Desabre fera appel aux joueurs, hein, qu'il tient aussi, hein, compte de ces paramètres justement. Donc ne soyons pas surpris de voir un joueur comme Noah Sadiki être convoqué. Vous voyez que c'est le joueur qui a le plus de minutes, et la saison dernière c'était également le cas. Moukolo Tour se rendre compte, hein, na ba qualité o petio azanango ngoto comprendre petio yo ngolo ande bo comprendre que RDC oyo tozan a 10 ans ya pouvoir et za ya buzo bate o bila loba parce que tozan a venir moko ya osakalate. Et tout à l'heure nous allons vous proposer un portrait d'un binational congolo norvégien, hein, pour R moko moi tantôt sur la ramagambo ba to boule ka Belgique, ba boule ka France, ba boule ta msu Suisse, partout. Hein, toi partout. Donc ça dit que yena na zona Haaland mutunaye donc ba mamboka moko na Erling Haaland, imaginez. Donc vous imaginez qu'après sujet où on a 4 à deuxième livraison, il y a mercredi à l'Elo, 23 octobre, tout ça qu'on proposait. Et bien, une salutation à un autre abonné qui nous suit particulièrement aussi à l'Andarabi Soming, hein. L'Elo est à jour naïe, tout ce qui s'atte, il y a l'inga Makamba Boye. Alinga Makamba Boye. Donc, tant de gêne, Babloro, il y a l'inga Rabama, il y a l'inga Rayamoro, là qui on nomme Chancel Wana, Bazo Zouazan, tant de gêne, tout de suite, au PC, tant de gêne, Nathanière, ou l'ingi Sounine. Moutoumoko Tako, la vie sur Chancel. C'est un temps de jeu, 360 minutes minimum. Il y a temps de jeu normalement. Il faut qu'on m'appelle 370-380 minutes, se tenir compte d'un temps additionnel. Il s'agit de Danny Bendo. Danny Bendo, bon anniversaire à vous, hein, là où vous vous trouvez. Hein. J'espère que votre femme et vos enfants, en tout cas, vous feront la surprise. Talakaka. Toujours qu'on l'a. Entre temps, il y aura toujours quoi enrichir. Hein. Diasco Foot, il y a un commentaire, un like. Et ça, Kabiso. Bien Makassi. Alors chers amis, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, hein, sur ce sujet, sur ces statistiques, je rappelle, qui nous ont été proposées par notre confrère de Léopard Infostat. Merci à lui, hein, il travaille assidûment pour mettre à jour ces statistiques, hein. C'est un très grand travail qu'il fait et nous devons le saluer pour cela. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout, vous nous suivez mais vous avez du mal aux acquis, on dirait, bah, mais mis sur 3 sacs à ciment pour cliquer, qu'à s'abonner, n'est-ce pas, n'est-ce pas,
mi abonné na chaîne Diasco Foot à grandir famille au yoto comme les sous et belé pour plus tous et belé plus ma réflexion koya pour air mongo croyez moi des sabalandara ba masolo yo muta ko sabino te alandara ba masolo abonné ni akoye ba ki musu na ba réseaux sociaux ba pe sa information erronée c'est galandara donc attends la point de vue on te lo baqué des sabalandara no seba est-ce que la cosi donc soko mi abonné cloche mongo ko apparaître. Et ça très important. On cliquera dessus et on permettra na yo au comment notifier à chaque fois ton code ça sujet awa et yé bah signaler yo que moi sujet côté na diasco un temps ou yé pe na temps na yo ou yé au talipé à le partager sous nabiso réflexion pe dans les commentaires au côté que nabiso. Une fois de plus merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.